Les femmes rêvent d'une silhouette avec une belle forme. C'est le prototype de la féminité caractérisée par de larges hanches contrastées avec une taille de guêpe. Si vous voulez avoir des hanches plus rondes et le corps dont vous avez toujours rêvé, continuez à écouter Claboto qui vous donne quelques conseils intéressants. Si vous n'avez pas la chance d'avoir été doté par la nature de ce type de silhouette, ne vous inquiétez pas. Avec un peu d'effort, vous parviendrez à augmenter la largeur de vos hanches et à obtenir une silhouette plus féminine. Exercice pour obtenir des hanches plus larges. Exercice 1. Pour avoir des hanches plus rondes, commencez par un exercice simple. Couchez-vous sur le côté, sur un tapis, et, pour éviter d'endommager les cervicales, placez une serviette pliée sur votre bras plié et utilisez-la comme un coussin pour votre la tête. Montez la jambe qui est au-dessus parallèlement à l'autre et maintenez-la en l'air 5 à 10 secondes. Répétez l'exercice 15 fois avec chaque jambe. Exercice 2. Il permet de muscler vos hanches. Allongez-vous sur le dos avec les bras le long du corps, les paumes des mains appuyées au sol. Pliez les jambes et soulevez les hanches du sol en contractant les fessiers jusqu'à ce que vos genoux, vos quadriceps, vos hanches et vos épaules forment une ligne droite. Maintenez la position 10 secondes et descendez lentement les hanches au sol. Faites 10 répétitions. Exercice 3. Exercice avec un ballon. Allongez sur le tapis sur le dos et avec les jambes pliées, placez un ballon entre vos jambes et serrez-le avec vos genoux pendant 10 secondes. Faites des séries de 10 répétitions. Cela vous permettra de renforcer vos abducteurs et vos hanches. Pour vous aider, l'alimentation est aussi importante que les exercices. Vous pouvez également inclure dans votre alimentation certains aliments pour renforcer vos hanches. En effet, en raison de leurs nutriments, ils vous permettront d'augmenter la masse musculaire ainsi que la masse graisseuse dans cette zone qui paraîtra donc plus large et plus arrondie. Les meilleurs aliments sont les suivants. Le saumon. Le saumon est riche en oméga 3 et 6 et en acides gras. Selon une étude réalisée par l'Université de Pittsburgh, en Pennsylvanie, les hanches ont tendance à stocker ce type de graisse. Ainsi, la consommation d'aliments riches en oméga 3 et 6 contribue à les renforcer. La viande maigre, elle permet de développer les muscles grâce à la créatine, une protéine de haute qualité, en plus d'apporter des acides aminés que le corps ne produit pas naturellement. N'en consommez cependant pas de manière excessive car un régime trop riche en protéines peut avoir des conséquences néfastes pour votre organisme. Les pommes de terre font grossir. En effet, cet aliment est riche en glucides. Nous vous conseillons de ne pas en abuser, car elles augmentent le taux de glucose dans le sang, provoquant une sensation de faim qui peut conduire à une surcharge pondérale. Le blanc d'œuf, l'ovalbumine et l'albumine sont des éléments idéaux pour augmenter la masse musculaire de vos hanches. Il est conseillé de ne manger que les blancs d'œufs. En effet, une consommation excessive des jaunes augmente le taux de cholestérol. Vous pouvez également inclure dans votre alimentation certains aliments pour renforcer vos hanches. En effet, en raison de leurs nutriments, ils vous permettront d'augmenter la masse musculaire ainsi que la masse graisseuse dans cette zone qui paraîtra donc plus large et plus arrondie. Les meilleurs aliments sont les suivants. Le saumon. Le saumon est riche en oméga 3 et 6 et en acides gras. Selon une étude réalisée par l'Université de Pittsburgh, en Pennsylvanie, les hanches ont tendance à stocker ce type de graisse. Ainsi, la consommation d'aliments riches en oméga 3 et 6 contribue à les renforcer. La viande maigre, elle permet de développer les muscles grâce à la créatine, une protéine de haute qualité, en plus d'apporter des acides aminés que le corps ne produit pas naturellement. N'en consommez cependant pas de manière excessive car un régime trop riche en protéines peut avoir des conséquences néfastes pour votre organisme. Les pommes de terre font grossir. En effet, cet aliment est riche en glucides. Nous vous conseillons de ne pas en abuser, car elles augmentent le taux de glucose dans le sang, provoquant une sensation de faim qui peut conduire à une surcharge pondérale. Le blanc d'œuf, l'ovalbumine et l'albumine sont des éléments idéaux pour augmenter la masse musculaire de vos hanches. Il est conseillé de ne manger que les blancs d'œufs. En effet, une consommation excessive des jaunes augmente le taux de cholestérol. Après les exercices, les aliments, n'oublions pas les vêtements. Certains vêtements peuvent également vous aider à arrondir vos hanches. N'oubliez pas que le type de robe que vous choisissez peut donner un aspect plus volumineux et faire en sorte que vos hanches paraissent beaucoup plus larges que ce qu'elles ne le sont en réalité. Voici quelques vêtements qui permettent d'obtenir cet effet. Les jupes. Les jupes font paraître vos hanches plus rondes. Elles rendent la zone plus volumineuse et la mettent en valeur en la rendant plus attractive. Les jupes évasées et moulantes et les jupes crayons,
permettent également de marquer vos hanches et de les mettre en évidence. Les poches latérales, choisissez des vêtements avec des poches sur les côtés pour créer une impression de volume. Les imprimés floraux et des lignes horizontales sont une autre astuce. Tous les vêtements qui amplifient la zone peuvent convenir. Évitez les rayures verticales qui allongent et amincissent. Les couleurs foncées comme le noir font également paraître plus minces. Choisissez donc des couleurs claires pour mettre vos hanches en valeur. Et n'oublions pas non plus les fessiers. Si vous avez des fesses plates et que vous souhaitez les rendre plus volumineuses, vous devrez réaliser une série d'exercices pour gagner du volume musculaire. Ainsi, soyez attentive à la différence entre tonifier et augmenter le muscle. Si vous voulez simplement durcir la zone, vous devrez réaliser des activités pour tonifier les fesses. Mais, si vous souhaitez avoir un fessier plus proéminent, Claboto est là. Sachez d'abord que pour gagner du volume musculaire, vous devez réaliser des exercices avec peu de répétitions mais chacune d'elles plus exigeante, par exemple en travaillant avec des poids ou une résistance. C'est la façon d'obtenir que le muscle augmente sa taille et non pas qu'il durcisse uniquement. Ce premier exercice consiste, debout, à lever la jambe droite vers l'arrière, sans la plier, le plus possible et revenir immédiatement à la position initiale. L'idéal est de faire 10 répétitions avec chaque jambe et de placer un poids sur les chevilles pour servir de résistance et obliger le muscle à réaliser un travail intense. Si vous n'êtes pas habitué à travailler avec des poids, commencez avec un poids abordable et augmentez à chaque séance d'entraînement. Sauter à la corde est un autre exercice idéal pour augmenter le fessier. Il s'agit d'une activité de grand impact et très intense qui vous aidera à gagner du volume musculaire sur les fesses et les cuisses. Vie sédentaire. Faites 5 minutes d'exercice le plus rapide que vous pouvez. Sortir courir, parmi d'autres bienfaits, permet de gagner du volume musculaire sur le fessier. Cependant, pour atteindre vos objectifs plus vite, il est préférable de faire des courses courtes et intenses, plutôt que de courir lentement et plus longtemps. Avec cette dernière manière de courir, vous réussirez à maigrir, alors qu'avec une course courte et intense vous réussirez à augmenter le volume de votre muscle et votre fessier grossira. Pour finir, nous vous proposons cet autre exercice. Placez-vous à quatre pattes sur un tapis au sol et levez la jambe droite, pliée, le plus possible. Avec des mouvements rapides, faites 10 répétitions pour chaque jambe. Pour plus d'efforts, placez-vous des poids sur les chevilles. Pour servir de résistance et obliger le muscle à réaliser un travail intense. Si vous n'êtes pas habitué à travailler avec des poids, commencez avec un poids abordable et augmentez à chaque séance d'entraînement. Sauter à la corde est un autre exercice idéal pour augmenter le fessier. Il s'agit d'une activité de grand impact et très intense qui vous aidera à gagner du volume musculaire sur les fesses et les cuisses. Vie sédentaire. Faites 5 minutes d'exercice le plus rapide que vous pouvez. Sortir courir, parmi d'autres bienfaits, permet de gagner du volume musculaire sur le fessier. Cependant, pour atteindre vos objectifs plus vite, il est préférable de faire des courses courtes et intenses, plutôt que de courir lentement et plus longtemps. Avec cette dernière manière de courir, vous réussirez à maigrir, alors qu'avec une course courte et intense vous réussirez à augmenter le volume de votre muscle et votre fessier grossira. Pour finir, nous vous proposons cet autre exercice. Placez-vous à quatre pattes sur un tapis au sol et levez la jambe droite, pliée, le plus possible. Avec des mouvements rapides, faites 10 répétitions pour chaque jambe. Pour plus d'efforts, placez-vous des poids sur les chevilles. Si vous êtes constant et que vous avez une alimentation saine, avec peu de graisse, vous réussirez à augmenter le volume de vos fesses comme vous souhaitez. Avec YouTube, personne ne reste sur la touche. Claboto.